Hello, hello tout le monde, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien et surtout que votre début de week-end se passe bien. Profitez-en pour vous reposer, pour chiller, bien évidemment pour kiffer. Mais aujourd'hui, il est temps de refaire un petit peu de Poppy Playtime. Mais oui les amis, ça fait quand même quelques jours, mine de rien, qu'il n'y a pas eu de vidéo traitant de Poppy Playtime. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement remédier à ça en refaisant une petite vidéo et en découvrant plein de choses, dont un truc qui m'intéresse énormément, peut-être l'apparition d'une playeuse. Donc est-ce que le player de Poppy Playtime sera en couple avec une playeuse? On verra bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts, comme d'habitude. Et avant aussi, vous n'êtes toujours pas au courant, n'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne Frites en Short les amis. Je pense que YouTube pour 2023 va vraiment mettre en avant les shorts, donc n'hésitez pas à aller envoyer un petit peu de force sur cette chaîne là, peut-être atteindre les 1000 abonnés si on est chaud, mais voilà, n'hésitez pas si vous n'étiez pas au courant de cette nouvelle chaîne là, n'hésitez pas à la rejoindre. Bref, on balance l'intro, on est parti. On est de retour les amis avec les histoires de Buggy Huggy. Souvenez-vous qu'il y avait un combat entre Killy Willy et Daddy Longlegs. Ah non, pas Daddy Longlegs, Grandpa Longlegs. Et on s'était retourné comme ça, enfin le player s'était retourné et on avait vu que Killy Willy avait disparu. Donc normalement c'est ça, genre je pense qu'il allait ici, ensuite il revient en arrière et on voit la disparition de Killy Willy. Et justement on va voir la suite de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-il ce fameux Killy Willy? Regardez, ah non non, bah non attends, attends je dis de la merde. Attends, ça s'est pas passé comme ça la dernière fois? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ici, ok, c'est bon. Ouais, c'est ça en fait. On retrouve juste les bras découpés parce que Killy Willy s'était défendu. Il avait quand même réussi à arracher quelques bras. Mais ensuite, oh putain. Il est de retour en fait. Donc il a réussi à se débarrasser de Grandpa Longlegs et il a un masque sur la tête. Parce qu'on a activé le gaz. Ou Grandpa Longlegs avait activé le gaz, mais il est pas con. Il a mis un masque. Ah, mais il est toujours là, Grandpa Longlegs. Il lui met des grosses tartes. Là, on le voit. Hein. Bon, il paraît beaucoup plus petit que je l'imaginais, le Grandpa Longlegs. Oula, ok, alors il s'est fait dégager comme une merde, très bien. Killy Willy c'est King Kong, hein. Il se met place comme un singe. Ça continue le combat, hein. Le combat ne s'arrête jamais. Bon, Grandpa Longlegs a l'air un peu lent, il a l'air d'être un petit peu sonné bizarrement. Peut-être qu'il s'est reçu un mauvais coup. Le player qui met ses tartes aussi, ok, Killy Willy a complètement écrasé Grandpa Longlegs, très bien. Et à côté c'était un combat de titans les amis. Personnellement si j'avais été le player je ne me serais pas interposé, hein. C'est un petit peu dangereux quand même. Mais donc c'est ça la suite, mais c'est pas terminé. Il y a encore je pense d'autres suites. Là on a bien vu que Grandpa Longlegs était en mauvaise posture. Est-ce qu'il va réussir un petit peu à reprendre la situation en main? Et en parlant de main, il en a beaucoup en plus, ça tombe bien. Donc on va voir la suite maintenant. Ok c'est parti, je vous reprends ce qu'il a remis tout le début. Je vous reprends l'ancien laissé, voilà, où Grandpa Longlegs s'est fait écraser sur le sol. Ça s'était arrêté là. Et là on a du coup la suite de tout ça. Il continue d'arracher les bras de Grandpa Longlegs, hein. Bientôt il va plus en avoir, alors que pourtant il est censé en avoir 1000 si j'ai bien compris. Même si là il en a pas vraiment 1000. Killy s'il te plaît. Oh what? What? Attends attends, il y a encore un nouveau personnage qui vient de débarquer là. Bien c'est comment? Il se fait emporter par je ne sais quoi ou je ne sais qui. Alors là j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre ce qui se passe. On a eu un combat entre Grandpa Longlegs et Killy Willy. Ensuite Grandpa Longlegs s'est fait littéralement battre à plat de couture. Mais quelqu'un, un monstre, je sais pas, une créature est venue à sonner un petit peu Killy Willy et ensuite il se fait embarquer et emmener je sais pas où. Est-ce qu'on va voir la suite? Je sais pas si on a déjà la suite. En tout cas ça me rend vraiment très curieux. Donc let's go, on va voir s'il y a une suite à ça. Mais très étrange en tout cas cette histoire. Ah bah là on a la suite. Encore une fois c'est pas moi hein, qui met ça. Si jamais pensez pas que je vous demande de spammer les likes à chaque fois toutes les secondes. Mais du coup normalement là c'est la suite de tout ça. On va passer un petit peu. Voilà, là c'est le moment où il se fait bam sonner un petit peu et il se fait embarquer. Donc c'est pas le même personnage en fait, c'est parce que c'est venu de la gauche et là il est emporté de là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a encore un autre personnage. Ok, il y a Grandpa Longlegs en train de converser avec nous. Et il nous demande d'aller par là-bas, je pense, de s'échapper. Donc je pense que lui, hein, comme Daddy Longlegs, il veut essayer d'aider le player. Bizarrement, je sais pas trop pourquoi. Et le player arrive dans une sorte de salle avec des petits bureaux, des ordinateurs. Il va pas s'arrêter ici, j'ai l'impression. Il va juste continuer son chemin en débloquant la porte blindée. Ah non, 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 ok. C'est une armoire en fait avec des sérums. Attends, on ne me dit pas qu'il va essayer de planter le sérum dans Killy Willy pour essayer de le faire revenir normal, je sais pas, ou peut-être qu'il va planter le sérum dans Grandpa Longlegs. Attends, on va voir. Ok, ouais, c'est ça, c'est en train de le soigner en fait. Ok, bon, bah apparemment, il voulait vraiment avoir le sérum vert. Se bat avec les deux autres sérums, peut-être pour, je sais pas, les donner aux autres personnages. Eh, Killy Willy est de retour.
Et là, on a sûrement Daddy Longlegs transformé. C'est pas grand pas, hein. C'est sûrement Daddy Longlegs transformé du coup avec le sérum vert. Donc, c'est ça le sérum vert, ce qui fait comme effet. C'est très bizarre là. Vraiment, je comprends plus rien ce qui se passe. C'est un bordel sans nom. Mais écoutez, peut-être qu'au fur et à mesure, on va réussir à comprendre. Mais bon, je pense que là, voilà, je pense que c'est Daddy Longlegs parce que regardez ici, on a le petit chapeau. Voilà, c'est le petit chapeau qui appartient à Daddy Longlegs. Donc, je pense que bientôt, on reverra Grandpa Longlegs également transformé comme ça avec tout ce fluide vert tout autour de lui. Mais c'est très mystérieux quand même. C'est bien parti en couille les histoires de Boogie Woogie, mais c'est plutôt stylé, on se croirait dans un Marvel. La dernière vidéo les amis, c'est sur la chaîne de Lazy Playtime, et là ça va être très intéressant. Souvenez-vous, on avait eu cette séquence là où on avait vu Mommy Longlegs et Daddy Longlegs se pécho littéralement devant les yeux du player, mais apparemment le player lui aussi a également une copine, une playeuse du coup, sauf que quand j'ai vu la miniature, je pense qu'à mon avis la playeuse va être un petit peu dans la merde, voilà, dans la sauce, mais on compte sur le player pour essayer de la libérer. En attendant, le player est ici dans cet endroit et doit essayer de trouver un chemin. Ok, bon bah là ça a l'air d'être un grand labyrinthe. Et je pense qu'à la fin de ce labyrinthe, on va voir la playeuse. Putain, il y a du sang partout. Est-ce qu'elle serait là ou pas? Attention les amis. Non, pas encore. À moins que ce soit à côté. En tout cas, je ne l'ai pas aperçu pour l'instant. Alors on dirait qu'il est en train de chercher quelque chose. Ah, il veut juste nous montrer un petit peu l'endroit. Ouais, il y a du feu en bas. Comment est-ce qu'il va faire pour trouver la playeuse là? Je comprends pas où est-ce qu'elle est en fait. Ouais, il avance. Alors, il y a un bouton bizarrement sur l'un des... comment on appelle ça? L'une des cargaisons, des caisses de cargaison. Ah ben là, la playeuse, en fait, elle est enchaînée, en fait. Elle est suspendue avec des chaînes. Et la playeuse est juste là avec un message help en sang. Alors, je sais pas si c'est le sang de la playeuse. Mais what, ça fait trop bizarre de voir une playeuse. Il a réussi à la libérer. Let's go! Et elle est animée en plus. Trop bien. Bon, par contre, c'est marrant parce que... Ah, elle lui fait un cœur. Trop stylé. Elle lui a fait un love. Donc, effectivement, je pense qu'ils sont en couple tous les deux. Donc, peut-être une grande histoire d'amour qui se profile entre le player et la playeuse. Vos avis, bien évidemment, dans les commentaires. Vos pronostics. En tout cas, les BG, c'est la fin de cette vidéo. On a fini de découvrir toutes les petites vidéos du jour. C'était très sympa. C'est vraiment parti en couille, mais total avec la chaîne de Huggy Buggy. Et Grandpa Longlegs, Killy Willy, les combats, les transformations, les sérums verts. Bref, il faut suivre quand même, c'est pas évident. Et du coup, peut-être le commencement d'une nouvelle aventure avec une playeuse. Mais ça, ça se passe sur la chaîne de Lazy Playtime. Donc merci aux deux frérots, bien évidemment, d'avoir proposé encore de super vidéos. Ça fait trop plaisir. En attendant, les amis, avant de partir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Vous savez que dès qu'il y aura des nouveautés, des news concernant Poppy Playtime, chapitre 3 ou quoi, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, aucune information. On espère quand même qu'on va en avoir dans très peu de temps. Bref, je vous fais des bisous les frites. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'hab. Merci pour votre soutien. Vous êtes les boss. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne Frites en Short. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.